إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا ما لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت منجانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مثل غاب الفلسفة لم يرد ما ورد الله سبحانه وتعالى، لم يرد الشمال سبيل متوقفة عليه الصلاة والسلام إلى ما يرد سيدة الشمال سخت سيد الإسلام وجهودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom du Centre islamique et culturel de Belgique et également au nom du Service islamique de la jeunesse de Belgique, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter premièrement la bienvenue à cette conférence d'un sujet très très important, tout comme je souhaite également le bienvenue à notre honorable invité, le professeur ou notre frère Nadir Abou Anas Habibahullah Ta'ala, connu à travers ses différents discours et également ses prêches du vendredi à travers ses audios et ses vidéos qui sont disponibles notamment sur son site internet www.tos.net. Je tiens à le remercier pour avoir donné une suite favorable à notre invitation, qu'Allah nous préserve, l'aide et l'assiste. Mes honorables frères et sœurs, les preuves irréfutables de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où vient cet univers? Qui l'a créé? À quoi ressemble ce créateur? Qui a créé ce créateur? D'où venons-nous? Du singe, de la nature ou du hasard? Tel sera le sujet de cette conférence. Et sans plus tarder, je cède la parole à mon bien-aimé, mon ami, mon camarade Nadir Abou Anas. Faites-le à votre fondé, à tout le choix, majouan, mouazaz. Inna alhamdulillah. Inna alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، مشايخ الأسرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je tiens à remercier le Centre islamique de Bruxelles ainsi que mon frère Elias pour l'invitation. Et je remercie Allah Tabarak wa Ta'ala de m'avoir facilité d'être présent aujourd'hui avec vous. Et je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala, comme il nous a réunis en cette heure bénie sous son adoration, qu'il nous réunisse le jour du jugement autour de la mère des créatures, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le meilleur des endroits, Al-Jannah. Mes frères et sœurs, certains d'entre vous se disent, enfin, alhamdulillah, notre frère Nadir, il est venu à Bruxelles, le frère Nadir, il est dans le centre, le frère Nadir, le frère Nadir, le frère Nadir. Je tiens à rappeler la parole qu'un poète disait, il disait, « Wa ghayru tuqa yamuru bil tuqa, tabibu yudawi an-nas wa tabibu alim. » Il disait, il n'est pas que et il leur donne la piété. Et ça, je ressens exactement ça. Il est semblable à un médecin qui soigne des malades alors que lui-même est malade. Et wallahi, si aujourd'hui on a pris la parole, c'est pas parce qu'on est meilleur que vous, ou qu'on a plus de rythme que vous, ou
qu'on est plus proche d'Allah tabaraka ta'ala que vous, absolument pas. C'est simplement Allah azzajal qui a décrété que je sois derrière ce micro, walakin, je le ressens, je suis inférieur à vous et non supérieur. Et ne pensez pas que vous êtes devant quelque chose de grand, absolument pas. Vous êtes devant un frère qui est très simple, qui a fait un tout petit peu d'effort, pas beaucoup comme vous le pensez. Et aussi, je me souviens souvent de la parole de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, quand il disait Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Oh Allah, pardonne-moi ceux qui ne savent pas de moi. Pardonne-moi. Ou plutôt d'abord, il disait Oh Allah, fais waj'alni khayran mimma yadhunnun. Fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent, meilleur que ce qu'ils pensent que je suis. Et pardonne-moi ceux qui ne savent pas. Et ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va entamer un thème qui est très important, un thème qui touche la foi du musulman. Et la foi est indispensable pour l'être humain, comme l'eau et l'oxygène lui sont indispensables. Mes frères et sœurs, celui qui n'a pas la foi en Allah Azza wa Jal vit dans une gêne permanente, comme l'a été ce poète. Écoutez avec moi ces passages venant de ce poète qui n'était pas musulman. Il a dit, je vois les guillemets, « Je suis venu sans savoir d'où, mais je suis venu. J'ai vu un chemin devant moi et j'ai marché. Je marcherai, que je veuille ou non. Comment je suis venu, comment j'ai vu mon chemin, je ne sais point. Suis-je nouveau ou ancien dans ce monde? Suis-je libre ou prisonnier? Suis-je libre ou prisonnier dans les chaînes? Suis-je maître de moi-même dans ma vie ou mené en laisse? J'espère le savoir, mais je ne sais point. » Donc il n'arrive pas à répondre à ces questions existentielles. Ensuite il dit, mon chemin. Qu'est-ce que mon chemin? Long ou court? Est-ce que je monte ou je descends et je m'enfonce? C'est moi qui suis en marche ou c'est le chemin qui marche? Ou nous deux, immobile, alors que le temps court, je ne sais point. Ma poésie, quand j'étais dans le monde invisible, est-ce que je savais que j'y étais enterré et que j'apparaîtrais et que je serais, ou bien j'étais ignorant, je ne sais point. Est-ce que, avant que je ne devienne un homme complet, j'étais effacé ou inexistant, ou alors j'étais quelque chose? Pour ce mystère, y a-t-il une solution? Ou restera-t-il éternel? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Je ne sais point. Quelle résolution et quelle angoisse ressent ou a ressenti cet homme? Quelle angoisse suscitée par cet anonymat à l'esprit humain? Les jeunes et les moins jeunes du 21e siècle ont perdu la connaissance des grandes vérités sans lesquelles ils n'auront pas de vie paisible. Mes frères et sœurs, celui qui a la foi en Allah, Azza wa Jal, le Créateur le Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, est le plus heureux du monde. Car avec la foi, tu pourras répondre à tes questions existentielles, chose qui te permettra de trouver la paix intérieure. Et pour goûter à la foi, la plus grande richesse qui puisse exister, qui est la foi, sache, toi qui m'écoutes, que tu en es capable. Et peu importe ta personnalité, ta mentalité, ton caractère et ton environnement, que tu sois, comme le disent aujourd'hui les jeunes, fashion, à la mode, noyé dans l'argent, ou même dans la musique, que ce soit le rap, la drogue ou autre, dans le show business, dans la politique, dans la finance ou autre, sache qu'en faisant un effort pour acquérir la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, tu trouveras la paix intérieure. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu veux goûter à la douceur de la foi? Écoute avec moi cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas et Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma, il rapporte avoir entendu le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dire: à goûter à la douceur de la foi celui qui est satisfait de Dieu comme Seigneur, de l'Islam comme religion et de Mohammed comme messager.
Et le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Maintenant, une personne pourrait sûrement se dire, mais comment veux-tu que je sois satisfait de Dieu comme Seigneur alors que je ne crois pas en l'existence d'un Dieu? Et cette parole peut provenir d'un non-musulman comme d'un musulman, hélas. Donc la personne pourrait se dire, mais comment veux-tu que je sois satisfait de Dieu en tant que Seigneur alors que je ne crois pas en lui ou je doute de lui? Certains le disent clairement, moi je ne crois pas en Dieu. Pour moi, ce monde est venu par un pur hasard. Ou une autre personne dira, c'est Mère Nature qui est à l'origine de tout. Ou l'autre qui dit, on descend du singe. Et un autre dira, franchement, je ne me pose même pas ces questions et j'en vois pas l'utilité, laisse-moi vivre ma vie. Sache, toi qui m'entends, que nous ne sommes pas sur Terre par hasard, ni pour rien. Et avant de te parler de notre rôle sur Terre, mettons-nous d'abord d'accord qu'il existe bel et bien un Créateur, d'où le thème d'aujourd'hui, les preuves irréfutable de l'existence d'Allah Ta'ala Qatala. Ce thème sera divisé, Inch'Allah, en trois parties. La première partie, la nature saine témoigne de l'existence d'Allah. La deuxième partie, les preuves de l'existence d'Allah par la raison. La troisième partie, les preuves de l'existence d'Allah Azzawajal par la révélation. Et sans trop tarder, on attaque directement la première partie, la nature saine témoigne de l'existence d'Allah Azzawajal. La nature saine, c'est quoi exactement? La fitra en arabe. C'est quoi la nature saine? La nature saine est la disposition innée à l'intérieur de l'être humain qui lui permet d'avoir cette conception du bien et de l'existence d'un créateur unique. Je répète, la nature saine, c'est la disposition innée. C'est quelque chose qui est inné en nous, qui nous permet d'avoir cette conception du bien. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de religion, on connaît par la nature saine les grands lignes, le bien et le mal. Et de même, cette nature saine nous permet de connaître ou de reconnaître l'existence d'un créateur unique. La nature saine, et on ne peut pas le nier, que ce soit du point de vue des musulmans ou des non-musulmans, la nature saine est quelque chose de reconnu. Cette nature saine ne peut pas être expliquée par la société, car il existe à travers le monde une diversité de sociétés dans laquelle on trouve des gens qui ont cette nature saine qui n'a pas été touchée et d'autres chez laquelle elle a été altérée. Exemple, on trouve par exemple dans la société en Arabie Saoudite une nature saine très développée. Cette conception du bien et qui nous permet aussi de reconnaître l'existence d'un créateur. On la trouve très développée en Arabie Saoudite. Alors que par exemple dans la société en France, on trouve une nature saine altérée car la majorité des gens tend vers l'athéisme et renie l'existence d'un créateur. Donc comme la nature saine varie d'une société à l'autre, on ne peut pas utiliser les sociétés pour expliquer la nature saine. Et au niveau biologique, à l'intérieur du corps humain, on ne peut pas avoir cette nature saine, comme on verrait par exemple les organes ou les os. Donc la biologie ne peut pas expliquer la nature saine. Mes frères et sœurs, si ni la société ni la biologie ne sont capables d'expliquer cette nature saine, c'est que forcément l'explication la plus rationnelle, la plus logique, est qu'elle provient d'un créateur qui l'a mis en nous. Le docteur Justin Barrett, le directeur des recherches à l'université d'Oxford, a déclaré « Si on place une poignée de quelques enfants sur une île et qu'ils s'éduquent par eux-mêmes, je pense qu'ils croiraient en Dieu. » Fin de citation. Ça, c'est pas un musulman. C'est le directeur des recherches à l'université d'Oxford. Le docteur a aussi déclaré que la majorité des preuves scientifiques des 10 dernières années sur le développement de l'esprit des enfants a montré que les enfants ont une prédisposition naturelle à considérer que le monde extérieur a été créé par une source d'intelligence immense. Certains peuvent dire si l'acheminement vers Allah était instinctif, les gens n'auraient pas adoré des divinités multiples à travers toutes les époques. La réponse est que l'instinct demande à l'individu de se diriger vers le Créateur. Mais l'être humain est entouré de beaucoup d'agents influents qui pourraient le dérégler au moment de son acheminement vers l'unique Créateur des hommes. Donc on voit qu'il y a des agents influents qui dérèglent la nature saine au point où l'on a des gens qui adorent le feu, et des gens qui adorent le soleil, et les statues, et les étoiles, et les prophètes tels que Isa alayhi salam, les vaches, les rats, et on en passe. On en a beaucoup. Au lieu d'avoir des adorateurs d'Allah l'unique, sans associé, on a des gens qui adorent autre que lui. Pourquoi? Car la nature saine a été altérée. Ce que les parents plantent dans les esprits des enfants
Et ce que les écrivains, les enseignants et les chercheurs prononcent devant les débutants change cet instinct et le corrompt en le couvrant de voiles impures pour s'éloigner de la vérité. Et ce qui est impressionnant, c'est que notre prophète, il y a 1400 ans, nous a parlé de la nature saine en nous disant, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par l'imam Muslim, il a dit chaque nouveau-né, donc chaque bébé, chaque nouveau-né naît selon la nature saine, ou naît avec cette nature saine. Puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Les zoroastriens, c'est ceux qui adorent le feu. Donc ici le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque nouveau-né, il est né avec la nature saine. Et c'est ses parents qui font de lui soit un juif, soit un chrétien, soit un zoroastrien. On remarque qu'il n'a pas dit non musulman. Il a dit soit un juif, soit un chrétien, soit un zoroastrien. Il n'a pas dit le mot musulman dans le hadith. Pourquoi? Parce que la nature saine, c'est l'islam. À la base, tout nouveau-né naît musulman. Mais comment ça? Déjà, on reprend les choses de par la base. Ça veut dire quoi, musulman? C'est quelqu'un qui est soumis à Allah. Il accepte les ordres d'Allah. N'est-ce pas? Ça, c'est un musulman. Et là, quand on parle des prophètes, on s'aperçoit qu'ils étaient tous soumis à Allah, n'est-ce pas? Donc, ils étaient tous musulmans. Vous pouvez bien comprendre. Donc, je reviens à dire que le prophète alayhi salam nous dit que c'est les parents qui changent cette nature saine. Mais à la base, si elle n'est pas altérée, il y a, cette prédisposition qui te permet de reconnaître le Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que la nature saine témoigne de l'existence de Dieu, d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la nature saine. Ensuite, on attaque la deuxième partie, qui va aider les musulmans à renforcer leur foi et qui dissipera les doutes des cœurs des non-musulmans ou des athées ou des personnes qui se posent des questions sur l'existence de Dieu en se disant est-ce qu'il existe? Si oui, il est où? Il est comment? Qui l'a créé? D'où est-ce qu'il vient? Etc. Les questions que mon frère Iyes va poser au début. Donc deuxième partie, les preuves de l'existence d'Allah Tabaraka par la raison. Ensuite la troisième partie sera celle attachée à la révélation. Mes frères et sœurs, pour entamer ce point, je vais vous demander d'utiliser votre raison pour réfléchir comme vous savez bien faire sur l'univers qui nous entoure. Et là, sûrement, il y a personne qui se dit « Moi, je ne veux pas réfléchir sur l'univers, laisse-moi tranquille, mon cerveau il est en mode off, laisse-le off. » Non. Mais, ou appuie sur le bouton « on » et continue avec moi, écoute-moi attentivement, tu verras qu'Inch'Allah, ce sera bénéfique. Donc, je veux que tu raisonnes, que tu réfléchis. Mes frères et sœurs, pour prouver l'existence d'Allah par la raison, nous allons voir deux points. Le premier, la création de l'univers. Le deuxième, le design parfait de l'univers. On attaque le premier point, la création de l'univers. Mes frères et sœurs, de manière générale, on s'est tous posé cette question un jour ou l'autre, d'où vient cet univers? Il y a trois possibilités pour la création de l'univers aujourd'hui. La première, l'univers vient du néant. La deuxième, l'univers s'est créé lui-même. Et la troisième, l'univers a un créateur. La première, c'est qu'il vient du néant. La deuxième possibilité, c'est qu'il s'est créé lui-même, cet univers-là. Et la troisième, c'est qu'il a un créateur. Première possibilité, on va l'analyser un petit peu. L'univers a apparu du néant. L'univers ne peut pas apparaître du néant. Car la seule chose qui peut venir du néant, c'est quoi? Rien. Rien. Pourquoi? Le néant ne crée rien. Le néant ne crée rien. Et pour ceux qui disent que l'univers a apparu du néant, nous disons que celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble exactement à quelqu'un qui va nous dire cette belle mosquée qui est très belle, magnifique, que nous voyons maintenant, a existé un jour sans constructeur et sans construction. On ne l'accepterait pas pour une mosquée. Mais par contre, pour l'univers, on ne se prend pas la tête. On dit le néant. Pourquoi? Pour fuir. Pour pas aller dans le fond des choses. T'imagines, si je te dis qu'un beau jour, je suis passé à côté de cet endroit-là et j'ai vu une mosquée apparaître du néant. Qui pourrait croire cette information? Qui? La réponse, personne. Pourquoi? Parce que chaque chose qui existe pour nous a quoi? A forcément un créateur. Et une autre chose, en supposant que cela est vrai, en
supposons que la mosquée est venue du néant, ou l'univers est venu du néant. Qu'est-ce qui a empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers? Pourquoi est-ce que monsieur le néant, il est venu, il a créé l'univers et il s'est arrêté? Il a dit stop, moi j'ai rempli ma mission. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à créer d'autres choses? Chacun d'entre nous doit se poser des questions. Pourquoi nous ne voyons pas maintenant des choses qui sont créées à partir du néant? Pourquoi nous ne voyons pas un instant un homme se faire créer à partir du néant entre moi et le frère Iliès et qui dirait « Bonjour, je viens du néant ». Pourquoi? Ça ne marche pas dans notre tête. Pourquoi? C'est simple, le néant ne crée rien. Donc la première possibilité, elle tombe à l'eau. Est-ce que l'univers vient du néant? Non. Taille. Est-ce que l'univers s'est créé lui-même? L'univers ne peut pas se créer lui-même. Et c'est complètement absurde de penser que l'univers peut se créer lui-même. Pourquoi? C'est comme si ma mère s'était donné naissance à elle-même. Donc ma mère existe, mais en même temps elle n'existe pas, car elle ne s'est pas encore donné naissance à elle-même. Comment l'univers peut-il exister et ne pas exister en même temps? C'est un paradoxe et c'est une impossibilité au niveau de la logique. Claire? En parlant de création, hélas, certains athées disent que la nature est à l'origine de la création des humains, des animaux et de l'univers. C'est la nature. La nature qui n'a pas de science, n'a pas de sagesse, ne voit pas, n'entend pas, et donc à l'origine de la création, ça c'est selon eux. C'est donc la nature qui a créé selon eux le soleil, la lune, les océans, les humains, les animaux, les oiseaux, les poissons. Selon eux, c'est la nature qui cause les tremblements de terre, les volcans, les tonnerres, etc., etc., etc. Comment se fait-il que cette nature ait créé des êtres doués de raison, d'accord, de volonté, et un univers parfaitement ordonné, alors qu'elle-même déjà, elle n'a pas la raison? Alors comment quelque chose qui n'a pas la raison peut créer des êtres doués de raison, de volonté, et un univers parfaitement ordonné, alors que nous, les humains, qui avons reçu l'intelligence, la volonté, sommes incapables de créer à partir du néant ne serait-ce qu'une mouche? Comment? Je répète, c'est très important. Comment cette nature qui n'a pas la raison peut créer des êtres doués de raison, à savoir les humains, qui eux-mêmes, qui ont la raison, l'intelligence et la volonté, sont incapables de créer une mouche? Je jure par Allah qu'ils n'ont pas créé une mouche, et je rappelle que créer une chose, c'est la faire sortir du néant. Et ce qu'ils font aujourd'hui, qu'ils appellent des créations, c'est quoi? C'est des inventions avec ce qui existe déjà comme matière. Mais ils ne créent pas à partir du néant. On entend le créateur de la Peugeot 3008 par exemple. Mais est-ce qu'elle est venue du néant ou ils ont utilisé la matière qu'Allah a créée afin de faire ce véhicule? Claire? Taïe. Je le répète, ils sont dans l'incapacité de créer une mouche, l'insecte le plus misérable, le plus misérable. L'insecte le plus misérable. Et d'ailleurs, Allah a dit dans Surat Al-Hajj, Surat Al-Bahiraj, Surat 22, versets 73 et 74. Ya ayyuhan nas, ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه. لا يستنقذونه منه. لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمكتوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche quand même ils s'uniraient pour cela. Si l'humanité entière se réunissait pour créer une mouche, Allah dit qu'ils en seront incapables. Et si la mouche les dépouille de quelque chose, écoute comment c'est fin, et si la mouche les dépouille de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et les sollicités sont également faibles, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Donc, impossible que l'univers ait pu se créer lui-même. Troisième possibilité, c'est la dernière, l'univers a un créateur. La meilleure explication, la plus logique, la plus sensée, la plus raisonnable, c'est que l'univers a un créateur.
Et si tu médites sur les créatures qui naissent chaque jour, les êtres humains, les animaux, les plantes, et que tu réfléchis sur tout ce qui existe, à savoir le soleil, la lune, le vent, la pluie, le jour, la nuit, les étoiles, les planètes, etc., tu ne pourras que dire que tout cela ne vient pas du néant, car le néant ne crée rien, mais tout cela a bel et bien un créateur. Dans notre vie, absolument tout ce qui nous entoure a un créateur. Tout. D'accord ? Et ici, quand je parle du créateur, je ne parle pas de la création à partir du néant. J'utilise le même terme que eux, ils utilisent pour dire l'invention. Par exemple, ce micro a sûrement quelqu'un qui l'a créé. Il ne vient pas du néant. Il y a quelqu'un qui a inventé ce micro. De même, ce téléphone portable, cette montre, tout ce qu'on voit autour de nous, à quoi ? Un créateur, cette mosquée, et ainsi de suite. Maintenant, savez-vous pourquoi tous ces objets ont un créateur ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ces objets ont commencé à exister. C'est logique. Taille. À partir du moment où une chose a commencé à exister, alors cette chose a forcément quoi ? Un créateur. Par contre, si une chose a toujours existé, alors là, on est tous d'accord pour dire qu'elle n'a pas de créateur. Pourquoi ? Car elle a toujours été là et personne ne l'a créée. Jusque-là, c'est bon ? Taille. Donc, en utilisant notre logique, on est tous d'accord pour dire qu'à partir du moment où une chose commence à exister, c'est qu'elle a forcément quoi ? Un créateur. Très bien. Maintenant, est-ce que vous savez que les scientifiques disent que l'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé ? Mais il a commencé à exister avec le Big Bang. Les scientifiques l'ont découvert. Ils ont dit que cet univers a commencé un jour à exister. Il n'était pas là éternellement, ou il n'a pas toujours été là. Un jour, il a eu un point de départ. La plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité, à partir de laquelle s'est formé l'univers qui contient le temps, l'espace, etc. Donc logiquement, si l'univers a commencé à exister, c'est qu'il a quoi ? Un créateur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hashr, l'Exode, Sourate 59, verset 24, « Hu Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahu Al-Asma wa Al-Husna, Yusabbihu Lahu Ma fi Al-Samawati wa Al-Ard, Wa Huwa Al-Aziz Al-Hakim. » C'est lui Allah, le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur, à lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Dans une étude parue dans la revue Le Cosmos de l'année 1893, le professeur Momigna écrit concernant l'existence de Dieu. Il dit, si nous supposons, en raisonnant par l'absurde, que l'univers a pris existence sans l'intervention d'un être capable d'agir, doué de volonté et libre de choisir. Et si nous supposons que le hasard, ou les hasards répétés sont parvenus à faire un homme, est-il pensable que ces mêmes hasards créent un autre être lui ressemblant parfaitement dans sa forme apparente et différente de lui, dans sa conformation interne, à savoir la femme? C'est-à-dire que vous pensez, vous dites, vous qui ne croyez pas en Dieu, vous dites que c'est le hasard qui a créé, ou c'est les hasards qui ont créé l'humain. Et ces mêmes hasards ont créé pour l'homme une femme, afin qu'il puisse faire perpétuer l'espèce. N'est-ce pas impressionnant ? Et est-ce même logique de dire des choses comme celle-là ? À partir de ce moment-là, on sait en utilisant notre logique que l'univers a un créateur. Après ça, certains diront que ce créateur est Allah, et d'autres diront que c'est Jésus ou Bouddha ou les autres noms que les gens ont donnés à ce créateur. Nous, en tant que musulmans, le Coran nous pousse à réfléchir, à penser, à méditer. Allah répète souvent « Afala ta'qilun » « Ne réfléchissez-vous donc pas ». Alors en réfléchissant et en utilisant notre raison, on comprend rapidement que ce créateur correspond parfaitement à la description d'Allah. Et méditez avec moi, car ce que je veux dire est très important. En méditant et en réfléchissant, on s'aperçoit que ce créateur correspond parfaitement à la description d'Allah. Mais pourquoi est-ce qu'en réfléchissant
mais pourquoi est-ce qu'en réfléchissant sur le Créateur, on comprend parfaitement que cela correspond à la description d'Allah? Car premièrement, à partir du moment où ce Créateur a créé l'univers qui contient le temps et l'espace, alors ce Créateur doit forcément être unique. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas deux Créateurs, ou trois, ou 300, ou 3000 Créateurs? Tout simplement, parce que cela crée beaucoup plus de questions que de réponses. En fait, l'explication la plus simple, dire qu'il n'y a qu'un seul Créateur, est la meilleure explication. C'est d'ailleurs un principe qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'est le fait de ne pas multiplier les choses sans nécessité. Ou bien, d'une manière plus moderne, c'est le fait de dire que les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te retrouver avec une tâche énorme, avec encore plus de questions et finalement pas beaucoup de réponses. Je donne des exemples. S'il y a plusieurs créateurs, on se demandera sûrement qui a été créé en premier, qui a le plus de force, quelle est la hiérarchie entre eux, qui a créé l'univers, un seul, deux ou les trois créateurs, qui s'occupe de l'univers, comment sont réparties les tâches parmi eux, et si les trois ont des opinions différentes. Cela crée forcément une guerre, n'est-ce pas? Une guerre entre eux, comme par exemple dans la mythologie grecque, où le dieu de l'amour combat le dieu de la terre, et où le dieu de la mer se bat avec le dieu des airs, etc. Donc on voit bien que si on ouvre la porte à des multiples divinités, cela ne fera qu'augmenter les questions et diminuer les réponses. Alors que croire en un seul créateur est plus sensé et plus logique. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate les prophètes, Sourate 21, Sourate 22, Sourate 21, verset 22, « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » Allah il dit, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu, tous deux seraient certes dans le désordre. S'il y a plusieurs dieux, il y aura forcément quoi? Du désordre. C'est comme avoir deux capitaines dans un bateau ou deux rois dans un pays. Comment gouverner? Il en faut qu'un. S'il y en a plusieurs, il y a le désordre. Et voyant cet univers fonctionner à merveille, dans un ordre parfait, tout cela montre bien qu'il n'y a qu'un seul créateur. S'il y en avait plusieurs, il y aurait eu le désordre. Il y aurait eu le désordre dans l'univers. Un créateur dit, moi je veux que le soleil se lève maintenant. L'autre il dit non. Un créateur dit, il faut faire tomber la pluie en Arabie Saoudite, l'autre il dit non. Ça aurait été le désordre. Ça aurait été le désordre. Donc Allah il dit, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Dieu, maître du trône, bien au-dessus des fictions qui lui attribuent. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, verset 91, ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrit. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate, le voyage du futur, sourate 17, verset 42, قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُ آلِهَا كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَمْ تَرَوْا إِلَى الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Il y aurait eu un combat pour avoir le trône. S'il y aurait eu plusieurs divinités, il y aurait eu un combat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit. Cela signifie, comme cela est cité dans Tafsir al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres, que s'il y aurait eu d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, elles auraient tout fait pour s'emparer de son pouvoir et cela aurait causé le plus grand désordre dans l'univers. Deuxièmement, ce créateur-là, il ne doit pas avoir été créé. Personne ne l'a créé. Et si on parle logique, ce créateur, logiquement, il ne doit pas avoir de créateur. Il a toujours été là, il est éternel. Parce que si tu poses la question, qui a créé ce créateur? Alors, on va rentrer dans quoi? Dans une question infinie. Comment ça? Qui a créé ce créateur? Supposons
que je réponde en disant c'est Mohammed. La question d'après c'est, et qui a créé Mohammed? C'est Mahmoud. Et qui a créé Mahmoud? C'est Ibrahim. Et qui a créé Ibrahim? C'est une question finie. Elle ne finit pas. Donc déjà la question, elle est mauvaise. Tu vas me dire, mais comment ça? Ce n'est pas possible qu'Allah, le Créateur, ait un Créateur. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec une question infinie. Un exemple encore plus simple, je suis employé dans une entreprise. J'arrive de prendre des vacances. D'accord? Je vais voir mon manager et je lui dis, est-ce que je peux prendre des vacances pour le mois de juillet? Est-ce que je peux prendre des vacances pour le mois de juillet? Imaginez-vous qu'il me dit, il n'y a pas de problème, je vais juste voir mon supérieur. Et je reviens vers toi. Et que son supérieur dise, il faut que je voie mon supérieur et je reviens vers toi. Et le supérieur du supérieur du supérieur, et ainsi de suite. Chacun lui dit, attends, je reviendrai vers toi, et chacun demande à son supérieur. Est-ce que vous pensez de cette manière que je vais avoir des vacances? Non, pourquoi? Ça monte à l'infini, n'est-ce pas? Ça n'a pas de fin. De la même manière, le Créateur ne peut pas avoir de Créateur car il y aurait le problème de l'infini et l'univers n'aurait jamais pu être créé. L'univers n'aurait jamais pu être créé. Comme on l'a dit, j'aurais jamais pu avoir de vacances, l'univers n'aurait jamais existé. Troisièmement, les scientifiques disent que le temps, l'espace et le matériel ont commencé à exister avec le Big Bang. Et comme le Créateur existait avant le Big Bang, cela signifie que le Créateur n'est pas limité par le temps, l'espace et qu'il est immatériel. Je répète, les scientifiques disent qu'à partir du Big Bang, le temps, l'espace et le matériel ont existé. Clair? Et on a dit que l'univers a commencé à exister. Donc il a un créateur. Et cela veut dire que ce créateur existait avant la création du temps, de l'espace et du matériel. Donc il n'est pas concerné et il n'est pas limité par le temps, l'espace et le matériel. Le créateur doit être immatériel, intouchable et impalpable. C'est-à-dire en dehors de l'univers qui contient le matériel. Le créateur ne doit pas ressembler à la création, car si le créateur ressemblait à la création, ne serait-ce que dans une chose, alors il n'y aurait pas de créateur, il n'y aurait pas le créateur et la création, mais le créateur serait de la création, et donc il n'y aurait que de la création. C'est-à-dire quoi exactement? Si le créateur ressemble à la créature, dans ne serait-ce qu'une seule chose, c'est qu'il a quoi? Un attribut de la création. Et s'il a un attribut de la création, il n'est plus créateur. On n'a que création et création. Donc forcément, il faut que ce créateur n'ait aucun attribut de sa création. Et il ne ressemble absolument pas à sa création. Donc d'après la logique, le créateur doit être unique. C'est ce qu'on a dit, parce que s'il y en aurait plusieurs, il y aurait eu des guerres dans l'univers. D'après la logique, il ne doit pas avoir de créateur. Parce qu'on aurait la question infinie et l'univers n'aurait jamais existé. Et d'après la logique, il ne doit pas ressembler à la création. C'est exactement ce qu'on dit le Coran. Donc quelle sourate? Sourate Al-Ikhlas. Vous la connaissez tous normalement. La sourate 112. Allah n'a-t-il pas dit? Dit, il est Allah unique. Qul huwallahu ahad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc, il n'a pas de créateur. Et nul n'est égal à lui, rien ne lui ressemble. Tout a été résumé dans Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah est unique, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de frère ni de sœur. Il n'a pas de famille. Il est le créateur, Allah, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui disent qu'Allah a des enfants ou qu'Allah a un enfant en se basant sur ce qui s'est passé avec Maryam alayhi salam, Marie, la mère de qui? Jésus Isa alayhi salam, ils disent que sachant que Isa alayhi salam, le prophète Isa, est né d'une mère sans père. Certains parmi les chrétiens disent qu'il était Dieu, d'autres le fils de Dieu, etc. Alors ils disent, comme il n'a pas eu de père, c'est le fils de Dieu. Mais selon leur logique,
On devrait dire qu'Adam est le fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé sans père et sans mère. Sans les deux. Alors que Isa al-Salam a eu lui au moins une mère. Donc selon leur logique, on devrait dire ça. Et tout ça bien sûr est refusé en islam. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de père, n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Et il est le créateur le tout puissant. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre et l'univers. Rien n'était avec lui. Selon Imran ibn Husayn radiallahu anhu, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah était et rien n'était avec lui. Allah était et rien n'était avec lui. Et son trône était sur l'eau rapporté par le prêtre. Il est le premier, il n'existait rien avant lui. Il est le premier, il n'existait rien avant lui. Le dernier et nulle chose n'existera après lui. Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Voilà donc pour le petit A, la création de l'univers. Attaquons maintenant le design parfait de l'univers, et c'est le petit 2 ou petit B. Pour ceux qui disent que l'univers provient du hasard, nous leur disons que le hasard est un événement, ça c'est vérifié dans le dictionnaire, vous allez voir cette définition, que le hasard est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition. C'est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition. Et que l'on ne peut prévoir. Retourne dans le dictionnaire, tu verras cette définition. Ça c'est donc la définition du hasard. Alors que l'on connaît l'origine de cet univers magnifique, qui est entièrement organisé, où tout y est calculé. Donc dire que l'univers vient du hasard, c'est pas possible. Premièrement, le hasard c'est quelque chose qui n'est pas organisé, l'univers montre l'inverse, que tout est ordonné et organisé. Il suffit simplement de se pencher un peu au domaine scientifique pour voir le système solaire, la Terre tourne autour d'elle-même, le Soleil, la Lune. Si tu observes en profondeur l'organisation de l'univers, tu pourras dire qu'une seule chose, il y a un créateur, il y a une force, il y a une puissance derrière tout cela. Comment expliquer l'ordre qui se trouve dans l'univers? Comment expliquer l'arrangement parfait et minutieux de l'univers qui a permis la vie sur Terre? Dire que tout ça existe sans but est absurde, car cela voudrait dire que ça existe par chance. Cela voudrait dire que l'être humain est là par chance. Un exemple très simple. Ce téléphone portable que vous voyez, si je vous dis que ce téléphone portable-là a apparu du hasard, vous allez me dire, mais comment ça? Si je vous dis, alors écoutez bien, mon portable qui est composé de trois choses principales, du fer qui provient des minéraux de la terre, du verre qui provient du sable et du plastique qui provient du pétrole. Maintenant, si je vous dis qu'une fois, j'étais en train de marcher dans le désert, dans l'Arabie Saoudite, où il y a plein de minéraux, de pétrole et de sable. J'ai marché et d'un coup, j'ai trouvé un téléphone portable. Est-ce que vous pensez que moi ou vous-même, dans cette situation, est-ce que vous pensez qu'on va croire que ce téléphone portable est le fruit de milliards et de milliards d'événements aléatoires, imprévisibles, liés au hasard? Le soleil a brillé, le pétrole a bouilli et s'est transformé en plastique, le vent a soufflé, et le sable s'est transformé en verre, la pluie est tombée, et les minéraux se sont transformés en verre, et qu'après des millions d'années, tout ça, ça s'est assemblé, et ça a formé un téléphone portable en plein milieu du désert, et là, tu prends ce téléphone, et tu dis « Allô ?» et il y a un monde qui te dit « Ibrahim, ça va ?» Est-ce que tu y crois? Ça ne rentre pas dans ta tête pour un téléphone portable. Pourquoi? Parce que tu te dis « C'est pas possible, c'est un créateur, ça ne vient pas du hasard. » Personne ne pourrait croire qu'un téléphone portable vient du hasard ou a été assemblé par hasard. Et l'univers complet, complexe, vient du hasard. Comment? Par quelle logique? Comment? Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à croire qu'un seul téléphone portable s'est créé par chance dans le désert, mais par contre l'être humain, qui est des millions de fois plus compliqué qu'un portable, il n'y a juste qu'à analyser le cerveau de l'être humain qui est plus technique que tous les ordinateurs du monde. Et bien, il y a certains qui disent oui. L'être humain, par contre, lui, il a été créé par chance. Où est la logique dans tout ça? Newton était un grand astronome. Il a vécu entre 1642 et 1727. Ce grand astronome et physicien anglais
on le considérait comme l'un des cerveaux exceptionnels à bord de l'homme. C'est lui qui a découvert la loi de l'attraction universelle en 1687. Et là, pas le télescope, en 1672. Il trouva les bases du calcul différentiel ainsi que d'autres lois astronomiques. Cet homme-là, qui est une tête, comme on a pu le voir, a dit, j'ouvre les guillemets, « Il est tout à fait évident qu'il n'y a aucune cause naturelle qui soit capable d'orienter toutes les planètes et leurs satellites pour qu'ils tournent dans une seule direction et sur un même niveau sans la moindre variation notoire. » L'observation de cet ordre prouve l'existence d'une sagesse régnant sur le tout. Aucune cause naturelle n'est capable de donner à ces planètes et à leurs satellites ces degrés de vitesse minutieusement proportionnés à leur distance par rapport au Soleil et au centre du mouvement. Et les exemples sont très nombreux. Donc là, ici, je ferme les guillemets, je vous dis que les exemples sont très nombreux, mais on voit encore une fois que le Coran nous pousse ici à réfléchir sur le design parfait de l'univers. Allah a dit dans Sourate al-Baqara, Sourate la Vache, Sourate 2, verset 164, « Inna fi khalqi s-samawati wal-arb, wa ikhtilafi al-layli wal-nahar, wa al-fulki allati tajri fi al-bahr, bima yanfa'u an-nas, wa ma anzala Allah min as-samai min ma, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui résonne. Il y a des signes pour un peuple qui résonne. Est-ce qu'on résonne? Est-ce qu'on utilise notre raison? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on médite? Quant à celui qui dit, moi je ne vois pas Allah, donc j'y crois pas. Moi, je crois que en ce que je vois, c'est une règle. Il est où Allah? S'il existe, il est où? Montre-le-moi. Ça, bien sûr, ça vient d'un bon musulman. Ou peut-être d'un musulman qui a une foi faible, qui n'a pas trouvé la réponse à cette question. Avant de répondre sérieusement, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pas très sérieuse. Il y a une fois, un professeur dans une école qui est avec ses élèves donc dans un cours et il est en train de leur montrer par la logique qu'Allah n'existe pas. Il leur a dit, nous, on ne croit qu'en ce qu'on voit. Et si Allah, on l'aurait vu, on aurait cru en lui. Et il a commencé à leur donner donc des preuves logiques prouvant qu'Allah n'existe pas. Il a dit à ses élèves, est-ce que vous voyez le professeur? Ils lui ont dit, oui. Il a dit, donc il existe. Il leur a dit, est-ce que vous voyez le tableau? Oui, donc il existe. Est-ce que vous voyez mon feutre? Oui, donc il existe. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez? Et à la fin, il leur a dit, est-ce que vous voyez Allah? Ils ont dit non, il leur a dit, donc il n'existe pas. Ensuite, un parmi les élèves, très intelligent, a intervenu en levant les mains. Et une fois qu'il a eu la permission de parler, il a dit, oh vous mes camarades, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Et dire non, il a dit donc il n'en a pas. Donc il a répondu intelligemment. Et ça montre aussi qu'il y a des choses qui existent, on y croit, on ne les a pas vues. Et maintenant, une réponse un peu plus sérieuse, sachez que celui qui dit qu'il ne croit qu'en ce qu'il voit, ici, il a utilisé une excuse mensongère. Combien il y a de choses qu'on ne voit pas? Avec nos yeux, on y croit. Le vent. Tu crois ou tu crois pas? Le vent, il existe ou pas? Tu l'as déjà vu, il ressemble à quoi? Décris-le moi. L'air. Tu crois ou tu crois pas? Tu respires chaque jour 10 000 litres d'air. Tu crois? N'est-ce pas? Tu l'as déjà vu là? Elle ressemble à quoi? Donc tu prends des choses que tu ne vois pas, n'est-ce pas? De même, la pesanteur, ça existe ou pas? Est-ce que tu as déjà vu Madame Pesanteur? Tu ne l'as jamais vue, n'est-ce pas? Mais tu crois. Donc on voit que ces choses-là, on ne les voit pas, et certaines personnes vont dire, oui, mais on voit leurs conséquences. Très bien, nous, on va voir la création du Tout-Puissant. La création du tout.
puissant, cet univers qui vous contient, cet ordre parfait qui règne dans l'univers. Nous sommes faibles et incapables d'ouvrir nos yeux, même devant quelques créatures visibles, comme le soleil. Qui peut rester fixé le soleil pendant au moins 5 minutes? Qui? Il fixe le soleil. Et je ne parle pas de fixer le soleil avec beaucoup de nuages. Non, un ciel bien dégagé, c'est l'été, il fait chaud, mais tu fixes le soleil plusieurs minutes. Tu ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que tu es faible. Donc si on est incapable de voir avec ses yeux faibles le soleil, comment on peut voir le Seigneur du soleil, subhanahu wa ta'ala? Comment? De même, certains vont dire, bon regarde, là jusque là, je te suis à peu près. D'autres vont dire, moi je te suis bien. Mais j'ai un blocage. C'est que tu dis que Dieu il existe, ou Allah il existe. Mais pourquoi il y a de la corruption sur terre? Surtout chez vous les musulmans. Allez voir ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et ici, et là-bas. Si vraiment Dieu il existe, où il est? Pourquoi il accepte l'injustice? Pourquoi il accepte la famille, les pauvres, etc.? Bien sûr, ces paroles viennent de qui? De gens qui ignorent la réponse. D'accord? Parce qu'une personne qui connaît la réponse, ou qui a un peu de savoir, ou qui est musulman et qui a fait quelques recherches, il a bien sûr réponse à toutes ces questions. Avant de répondre par une preuve religieuse, je vais donner d'abord une preuve, ou plutôt une parole qui a été dite par un non-musulman. Comme ça on ne dit pas oui mais tu fais que de citer depuis tout à l'heure du Coran. Non, j'appuie par le Coran après avoir donné les preuves par la raison, par la logique. Lors d'une émission télévisée, le grand physicien et astronome canadien Hubert Reeve, résident en France, fut interpellé en ces termes. Quelle est la question à laquelle vous n'avez jamais pu répondre de votre vie? On demande à donc un astronome, un grand physicien, quelle est la question à laquelle vous n'avez jamais pu répondre de votre vie? Écoutons-le. Il répond, j'ouvre les guillemets. Vous voyez, j'ai étudié les galaxies et j'ai découvert qu'il régnait un ordre parfait. Puis, j'ai étudié le règne végétal et animal et j'ai constaté la même harmonie. Donc, galaxie, parfait. Le règne végétal et animal, tout est parfait. Puis, je vois l'homme répandre sur terre le désordre, la guerre, le sang et l'injustice. C'est un non-musulman qui dit ça. C'est l'homme donc qui a fait ça par lui-même. Il dit, puis je vois l'homme répandre sur terre le désordre, la guerre, le sang et l'injustice. Comment se fait-il qu'avec cette intelligence qui lui permet de réfléchir, de comprendre et d'admirer cet ordre parfait dans l'univers, il puisse répandre le chaos sur terre? Donc là, ici, ce non-musulman dit que ce désordre a été causé par l'homme. Par l'homme. Et en ce qui concerne notre religion, Allah tabaraka ta'ala a dit dans la sourate des Romains, Rum, sourate 30, verset 41, « Zahara al-fasad fil balli wal-bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. » La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Ce n'est pas à cause d'Allah qu'on vit ça. Allah Azzajal, il a la connaissance de toutes choses, de tout puissant. Allah savait même avant de créer les cieux et la terre que tout ça allait se produire. Mais on a le libre arbitre sur terre. Et nous avons causé ce désordre de nos propres mains. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Et écoute à la fin du verset, peut-être reviendront-ils vers Allah. En revenant vers Allah, il y aura l'ordre sur terre. Donc voilà la solution. C'est le repentir, c'est de revenir vers Allah, c'est d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est donc la réponse à cette question. Donc là, on vient d'entamer la deuxième partie, et on entame maintenant la troisième partie qui est les preuves de l'existence d'Allah par la révélation. Par la révélation. Mes frères et sœurs, les preuves venant de la révélation qui prouvent l'existence d'un créateur sont très nombreuses. Je pourrais vous parler du rôle des montagnes, des orbites et de l'univers en rotation, les mers distinctes, l'emplacement du soleil et de la lune, etc.
Et d'ailleurs, pour information, dans notre site de l'Ousmane, on a une conférence qui est les miracles du Coran, pour ceux, Inch'Allah, qui veulent se pencher sur les miracles du Coran. Mais aujourd'hui, on va se contenter d'exposer deux preuves, parmi les nombreuses preuves qui viennent d'Allah Azza wa Jalla, dans la révélation, pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. D'accord ? Un miracle historique et un miracle biologique. Quant au miracle historique, ce miracle-là est vraiment impressionnant. Le Coran présente donc l'histoire d'une manière générale pour nous faire prendre conscience de la réalité de notre existence. Mais aussi, le Coran nous parle de l'histoire d'une manière très spéciale et très précise. Comme vous le savez, dans le Coran, on trouve le récit de plusieurs prophètes, on trouve le récit des communautés qui nous ont précédés, etc., etc. Et ce qu'on remarque, c'est que le Coran nous parle de l'histoire d'une manière très spéciale et très précise. Une manière qui défie les lois de la nature. Comment ça? Le Coran utilise deux mots pour décrire le dirigeant des Égyptiens à l'époque. Dans le Coran, on trouve deux mots qui décrivent le dirigeant des Égyptiens à l'époque. Dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, le Coran parle de El-Malik, qui signifie le roi. D'accord? El-Malik. Alors que dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, le dirigeant d'Égypte ne s'appelle plus Al-Malik, mais Pharaon. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que le Coran utilise deux noms différents pour désigner le roi des Égyptiens à l'époque? Sachant qu'avant, le roi d'Égypte, on l'appelait Pharaon. Mais d'un coup, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, il s'appelle Al-Malik, et non Pharaon. Et à l'époque de Moussa alayhi salam, Pharaon. Pourquoi? Écoute et médite avec moi sur ce détail qui peut-être pour toi n'est pas très important, mais il va te montrer un miracle. L'empire égyptien au niveau historique se divise en deux périodes. La première période qui est l'ancien empire et la deuxième période qui est le nouvel empire. Yusuf alayhi salam a vécu pendant la première période, l'ancien empire égyptien. Alors qu'à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était le nouvel empire égyptien, environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Clair ? Alors pourquoi il y a une différence ici? Sachant que la Bible ne parle jamais de roi, mais seulement de Pharaon, et que la Torah parle de Pharaon et non du roi, et que les historiens de l'époque ne parlaient jamais de roi, mais seulement de Pharaon. Méditez sur ça. À l'époque, ils ne parlaient jamais de roi, mais toujours de Pharaon. Alors une question, est-ce que le Coran s'est trompé quand il a dit à l'époque de Moussa alayhi salam, à l'époque de Yusuf alayhi salam, Al-Malik le roi? Pour vous éclairer un peu, il y a une tablette, une pierre, qui s'appelle la pierre de Rosette. Cette tablette date de 196 avant Jésus-Christ. Elle a été découverte quand? En 1799. Cette tablette contenait des écritures hiéroglyphiques et des écritures grecques. Et c'est avec cette tablette, où il y avait du grec, qu'on a pu déchiffrer le langage des hiéroglyphes. Pourquoi? Parce que c'était une langue morte. D'accord ? Maintenant qu'on a déchiffré le langage des hiéroglyphes, les historiens ont pu récupérer et déchiffrer toutes les autres pierres qui étaient écrites en hiéroglyphes. Quand ? En 1799. Et qu'est-ce que les historiens ont découvert en traduisant ces tablettes ? Ils ont découvert que les Égyptiens de l'Empire, de l'ancien empire de l'époque de Yusuf alayhi salam, appelaient leur dirigeant comment ? Al-Malik. Ça a été trouvé par des non-musulmans. Ils ont vu qu'à l'époque, et c'était écrit dans les pierres hiéroglyphiques, et comme ils ne connaissaient pas comment traduire cette langue, c'est avec le grec qu'ils ont pu quoi ? Traduire cette langue. Ils ont vu donc qu'à l'époque de Yusuf alayhi salam, le dirigeant s'appelait Al-Malik, et que les Égyptiens du Nouvel Empire, à l'époque de Moussa, appelaient leur dirigeant comment ? Pharaon. Subhanallah, ils l'ont découvert longtemps après. Et notre prophète والسلام, a eu ce savoir de la part de qui? De la part d'Allah. Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu inventer cette information? Est-ce que vous pensez qu'elle était tellement importante pour lui qu'il a dit ici Al-Malik et ici Pharaon? Alors qu'on parle ici simplement du nom du dirigeant. Et on ne peut pas dire que c'est de la chance ou qu'il l'a deviné. Pourquoi? Parce que c'est un détail très petit, presque invisible, un détail insignifiant par rapport au message de l'islam. Insignifiant par rapport au message de l'islam, insignifiant par rapport à l'existence d'Allah, insignifiant par rapport à n'importe quelle chose dont nous parle le Coran al-Karim.
Mais on voit, subhanallah, que même dans le détail le plus insignifiant, la précision du Coran ici nous montre que cette information défie les lois de la nature, car on ne l'a découverte qu'en 1799. Alors que le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans. S'il n'y a aucune explication naturelle, cela montre que la meilleure explication, c'est le surnaturel. Et le surnaturel, c'est le divin, le créateur, tabaraka ta'ala. Ça, c'est donc le miracle historique. En ce qui concerne le miracle scientifique, on va parler, inchallah, de l'embryologie dans le corps. L'embryologie. Dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate les croyants, Sourate 23, du verset 12 au verset 14, on retrouve des points très éloquents qui décrivent les différentes étapes de l'évolution de l'embryon humain. Une manière précise, unique et très éloquente. Je ne vais pas parler de tous ces points pour faire le plus court possible, donc soyez attentifs, c'est très important. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, du verset 12 au verset 14, « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Pour ceux qui ont étudié l'embryologie et qui connaissent un petit peu ce que dit la science sur l'évolution de l'embryon, ils vont être impressionnés de la précision du Coran. Et de cette information qui est parvenue au prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam à une époque où il n'y avait aucun moyen technique pour avoir ces informations. Allah dit, nous avons créé l'âme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Un reposoir solide, ici on parle de l'utérus. Nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous parle de l'évolution de l'embryon en nous disant premièrement que l'être humain a été créé de quoi ? D'un extrait d'argile. Puis ensuite, Allah nous parle de l'étape suivante qui est un nutfa. Ensuite, Allah nous dit qu'il a fait de cet extrait d'argile une nutfa. Ici, nutfa a été traduite par goutte de sperme. Alors que c'est une mauvaise traduction. Car Allah Azza wa Jalla lui-même a dit dans Sourate Al-Insan, dans le verset numéro 2, que cette nutfa est un mélange. Un mélange de deux liquides. Et en plus, le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad al-Musnad, a dit que cette nutfa est un mélange de deux liquides. Un appartenant à l'homme et l'autre à la femme. Clair ? Maintenant, voyons voir ce que l'embryologie moderne nous dit sur ça. Et quand je dis moderne, ce n'est pas les références des scientifiques qu'on citait dans les années 80. Bien que ces informations-là sont anciennes, pourquoi on a préféré citer des scientifiques modernes de 2010 à 2012 simplement pour vous dire que cette chose qui a été découverte anciennement est toujours d'actualité et qu'il n'y a pas eu de changement. Écoutez avec moi ce que disent les embryologistes Beverly Kramer et John Allen. Ils disent que l'être humain provient de la combinaison de deux cellules. L'une du père et l'autre de la mère. Ces deux cellules forment une cellule unique appelée le zygote. C'est à partir de ce zygote que l'embryon grandit. Subhanallah, l'analyse du mot nutfa qui est cité dans le Coran et la sunna correspond parfaitement à la description des embryologistes de la substance mélangée appelée le zygote. Ça c'est un. Ensuite, on a dit que cette nutfa a été placée dans fi qarar al-makin, dans un reposoir solide, un endroit sûr, en sécurité. Ici, encore une fois, on voit à quel point les traductions sont incomplètes et que rien ne pourra jamais atteindre la richesse, la beauté et la profondeur de la langue arabe. Qarar, ça veut dire établir, attribuer, déterminer, préciser, décider, confirmer, affirmer. Et makin, ça veut dire mettre en position de manière ferme, de manière solide, dans le sens qui amène la sûreté et la sécurité. Voilà pourquoi « fil qarar al-makin » veut dire dans un endroit sûr en sécurité. Donc le zygote dont on avait parlé, il se divise en une boule de plusieurs cellules qui sont recouvertes par une membrane extérieure. Et maintenant, comme le zygote il s'est transformé, on ne l'appelle plus zygote mais blastocyste. Et là, on
encore, ils nous disent quoi, nos embryologistes de 2012, sur ce blastocyste, ils disent l'implantation du blastocyste commence environ 6 ou 7 jours après la fécondation. Le blastocyste s'enfonce profondément, encore et encore, dans la muqueuse utérine. Pourquoi ? Pour être en sécurité. Pour être en sécurité. Ensuite, le trou est recouvert avec un caillot de sang. Environ 10 ou 12 jours après la fécondation, le blastocyste est complètement enfermé et l'implantation est terminée. Fille Karol Makin, dans un reposoir solide. C'est exactement ça, on voit la précision du corps. Et méditez simplement sur autre chose. Comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait pu avoir ces informations il y a 1400 ans? Comment? Par quel moyen? Comment? À chaque fois qu'on va expliquer une étape de cette évolution de l'embryon, je veux que tu te poses cette question. Comment? Ensuite, Allah décrit la prochaine étape comme une alaqa, une adhérence. Ce mot contient plusieurs sens. Parmi ces sens, cela veut dire s'accrocher, être suspendu, être collé. Et pour ceux qui étudient l'évolution de l'embryon, peuvent s'apercevoir qu'elle est suspendue. Parmi ces sens, cela veut dire s'accrocher, être suspendu, être collé. Ça veut dire qu'elle est fixée. Alaqa. Ça ressemble aussi à une substance comme une sangsue, qui ressemble à un verre, comme un genre d'insecte en point qui colle. Maintenant, on va voir nos embryologistes de 2012, Barry Mitchell et Ram Sharma. Ils nous expliquent cette étape en nous disant que l'embryon, il est relié au cytotrophoblaste. Donc l'embryon est suspendu ou accroché. Clair ? Ensuite, au niveau de l'embryon, c'est maintenant le cerveau et la moelle épinière qui se développe, et en se développant, c'est là que l'embryon atteint le stade où il ressemble à une sangsue. Ensuite, l'embryon se nourrit grâce au contact avec les vaisseaux sanguins maternels, de la même façon qu'une sangsue se nourrit du sang. Une adhérence. C'est ça, à la alaqa, qui a été mentionnée dans le Coran al-Karim. Ensuite, ça devient quoi? Une mudra. Allah a dit que l'étape d'après, c'est quoi? Al-mudra. Al-mudra, c'est quoi? C'est un morceau de chair. Maintenant, on voit que la prochaine étape décrite par le Coran est al-mudra. Al-mudra, ça veut dire mâcher, mastiquer. On entend souvent « madara yandoro », mâcher quelque chose, d'accord? Quelque chose qui est mâché ou un petit morceau de viande. Ça veut aussi dire quelque chose qui a été mâché avec des dents, en laissant des traces de dents. Et bien si vous regardez l'image sur internet, tapez l'étape, ou plutôt l'évolution d'embryon, et regardez ce que devient cet embryon à cette étape-là, quand il devient madara. Vous allez voir qu'on a l'impression quoi, qu'il y a des traces de dents dessus. Et Allah, il a utilisé le mot mudra. C'est très précis. Très précis. Wallah, l'image, moi, elle m'avait impressionné quand je l'avais vu. Donc, le développement des somites, cette structure de l'embryon, c'est lui qui donne cet aspect de chewing-gum à l'embryon. En plus, l'embryon ressemble à un petit morceau de chair qui a l'air d'avoir été mâché, justement. On voit la précision du corps, encore une fois, à cette étape du développement de l'embryon. Ensuite, Allah, il dit qu'après que cet embryon-là devient un morceau de chair, ce zygote qui évolue, qui devient un morceau de chair, ça devient quoi? Il y a des os qui commencent à être créés. Ici, clairement, Allah nous dit que la prochaine étape est la formation des os. Et effectivement, au niveau de l'embryologie, c'est la formation des os, des différents membres, comme nous disent les embryologistes John Allen et Beverly Kramer. Et ensuite, Allah dit, et nous avons revêtu les os de chair. Nous avons revêtu les os de chair. Le mot kasawna veut dire revêtir. Kasawna al-ivam al-ahna. Le mot kasawna veut dire revêtir, recourir, habiller. Et al-ivam veut dire les os. Et al-ahna veut dire la chair. D'accord? Ou un morceau de viande. Les mots utilisés dans le Coran pour décrire cette étape de l'embryon sont en totale concordance avec l'embryologie moderne. Le mot kasawna décrit les cellules qui recourent, qui habillent petit à petit les os. Et c'est ces mêmes cellules qui vont former les muscles autour des os. فَكَسَوْنَ الْعَمَرْ مَنَحْنَا. Subhanallah, c'est exactement ce qu'ils ont trouvé après 1400 ans. Ensuite, Allah dit فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلَقِينَ. Ici, cette autre création, d'un point de vue scientifique, se réfère tout simplement à une autre étape d'évolution de l'embryon. Car maintenant, l'embryon est formé, il a simplement besoin de grandir, comme nous disent Barry Mitchell et Ram Sharma. À partir de la 8e semaine, soit la fin de la formation de l'embryon, c'est une nouvelle évolution qui commence, c'est la période de croissance.
Mes frères et sœurs, les historiens sont unanimes pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré et analphabète. Et il ne possédait aucun moyen pour vérifier ces faits scientifiques, surtout que la découverte de la microscopie ne date que de la fin du XVIe siècle, soit 11 siècles après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. 11 siècles après la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets du Coran sont une preuve de l'existence d'Allah. Et sachez que tout le monde, musulmans et les orientalistes, ceux qui ont critiqué l'islam, ils n'ont pas critiqué l'islam en disant que le Coran n'était pas authentique. Ils ont inventé des critiques, mais pas celle-là. Donc tout le monde témoigne que le Coran est authentique et qu'il n'a eu aucun changement depuis le début. Le Coran, qui est la parole d'Allah, a été appris par cœur par les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont écrit, certains parmi eux l'ont écrit, c'était un ordre du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant. Il leur a dit, écrivez-le. Et c'est à l'époque de Uthman, radiallahu anhu, le troisième calife, que le Coran a été compilé en un seul livre. Cela a été fait en comparant ce qui est écrit à ce qui a été appris, car il avait comme Zayd ibn Thabit et d'autres compagnons des savants en matière de Coran. Mu'adh ibn Jabal ibn Mas'ud, c'était des savants qui maîtrisaient le Coran. Donc Uthman, radiallahu anhu, sachant qu'il avait déjà des écrits du Coran et qu'il avait beaucoup de compagnons qui le connaissaient par cœur, des milliers, il a demandé à vérifier le contenu écrit avec ce qui était récité. Et lorsqu'il a vu que c'était la même chose, il en a fait un livre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait un livre? Tout simplement parce que les compagnons qui connaissaient le Coran par cœur commençaient à mourir dans des guerres. Et il avait peur qu'il n'existe plus une personne qui connaisse le Coran pour pouvoir l'enseigner à autrui. Alors il s'est dit par sécurité, et c'était l'idée de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'était son idée de compiler cette chose. Et au départ, Uthman était contre. Uthman était contre Affan. C'était Abu Bakr d'abord qui avait compilé le Coran lorsque Omar lui avait demandé de faire cela. Et ensuite, il l'a laissé à Omar, après sa mort, qui l'a laissé à Hafsa, qui l'a laissé ensuite à Uthman. Et Uthman a fait une vérification entre l'écrit et l'appris, et lorsqu'il a vu que c'était la même chose, il a fait quoi? Compiler ce Coran. Et c'est ce Coran qu'on a entre nous aujourd'hui, qu'avait Uthman, radiallahu anhu. C'est le même. Depuis 1400 ans, c'est ce même Coran qui n'a pas été modifié. Et Allah lui-même a dit, nous avons fait descendre le rappel, à savoir le Coran, et nous lui en sommes gardiens. Et les Mufassirin, comme As-Sa'di, Al-Kathir et d'autres, disent qu'Allah a protégé ce livre de toute falsification. De toute falsification. Et c'est un miracle. Ce livre-là, c'est un miracle dans tous les sens du terme. C'est un miracle au niveau de l'éloquence de ce livre. C'est un miracle au niveau scientifique. C'est un miracle au niveau biologique. C'est un miracle au niveau historique. Plus tu le lis, plus tu t'aperçois que c'est un miracle. Et tous les prophètes sont morts. Et leurs miracles sont morts avec eux. Sauf un seul miracle qui a vécu après la mort d'un prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son miracle est toujours entre nos mains et il est chez nous. Et on peut le lire avec de l'aide, le méditer et l'apprendre et l'enseigner à autrui. Mes frères et sœurs, après cette argumentation qui prouve l'existence d'un créateur, chacun de nous doit se poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que ce créateur nous a-t-il créés? Quel est notre but sur Terre? Sommes-nous sur Terre uniquement pour manger, boire, se marier, consommer, etc. Ou avons-nous un but? Quel chemin devons-nous emprunter? Y a-t-il un livre capable de répondre à nos questions? Un livre qui pourrait être un guide et qui pourrait nous montrer le chemin du bonheur? Effectivement, il y a un livre, ce livre, le Coran, qui a été envoyé à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui a été chargé, lui, de transmettre les paroles d'Allah à tous ceux qui ont reçu un message des messagers alayhi sallam. Donc chacun de nous doit se poser des questions et se pencher vers ce livre qui est le Coran, qui est une guidée pour l'humanité, qui est un livre qui apporte le bonheur, la paix, la sérénité, la quiétude, le repos. Et nous sommes tous à la recherche du bonheur. Chacun d'entre nous se dit que le bonheur se trouve peut-être dans l'argent. D'autres ils se disent c'est dans les femmes, d'autres ils se disent c'est dans ceci et cela. Tous ces bonheurs sont des bonheurs éphémères. Et il ne faut pas en sorte que la personne est satisfaite une fois,
avoir fait telle ou telle chose, tel ou tel voyage, ou avoir acquis ou acheté tel ou tel produit ou telle chose. Par contre, il y a un bonheur qui ne nous abandonne jamais, c'est le bonheur de la foi. Cette paix intérieure, et on ne pourra la connaître que lorsqu'on se penchera vers les paroles du Tout-Puissant, le Créateur. Et quand je parle des paroles du Tout-Puissant, je parle du Coran, ce livre, ce miracle qui n'a pas été modifié, falsifié. Et il suffit simplement de regarder, de méditer dans ce livre pour voir qu'il ne peut provenir que d'Allah, tabaraka ta'ala, et qu'une personne qui vit il y a 1400 ans, et qui était illettré et analphabète, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait jamais pu écrire ce livre. Jamais. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم كلاي منكم بانس جزاكم الله خيرا هذه الكونفرنس أيت بنيفيك نوزو ديما دون نوز انفوكاسيون نوز امبور الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je tiens à remercier de nouveau notre invité, Salim Abouane, depuis Paris, tout comme je tiens à remercier son accompagnateur.